deux suspects, cette arrestation de deux suspects liés aux auteurs des attentats djihadistes de Paris. Ils ont été arrêtés dans un foyer de réfugiés à Salzbourg, en Autriche. Ces deux suspects seraient arrivés depuis la Syrie. Avec nous sur ce plateau, Céline Bruno. Céline, quelles sont nos informations sur ces deux arrestations? Dites-nous. Alors, une première information qui contredit ce que disent les Autrichiens. Ces deux personnes ne seraient pas d'origine française, mais en tout cas, elles disposaient de faux papiers syriens. Ils ont donc été arrêtés dans un foyer pour migrants à Salzbourg, dans l'ouest de l'Autriche. Et ils seraient arrivés en Syrie en octobre dernier par la route des Balkans et dans le même groupe que certains des auteurs des attentats de novembre à Paris. Alors, qui sont-ils pour le moment? Aucune information. On ne sait pas s'ils ont parlé, s'ils ont donné leur véritable identité. Une chose est certaine, il ne s'agit pas du fugitif Salah Abdeslam. On sait que le 4 décembre, la police belge avait émis un mandat d'arrêt et un appel à témoins pour deux personnes qui avaient été contrôlées en Autriche, justement, en novembre, en compagnie de Salah Abdeslam, deux voyageurs qui voyageaient eux aussi sous une fausse identité syrienne.